Alors vous allez nous coller encore aujourd'hui ? On va essayer. Ouais. Aïe, 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 par ici, la rentrée par ici, le mois de septembre. Septembre qui arrive juste après le mois qui doute, le mois qui sait pas trop, le mois qui hésite entre moitié canicule, moitié orage. Septembre, c'est le mois des cartables, le mois costume et ciel gris, franges de nuages, spirale des cahiers, stylo qui lève l'encre, réveil des réveils, bref, un temps de pendaison pour les crémaillères. Aïe, 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 par ici, la rentrée. Et en plus, on nous dit que c'est la crise, que les temps sont durs, durs d'oseille, qu'il n'y a plus de blé sur la paille, pas un radis, fiasco. Le moral tombe dans les chaussettes et les chaussettes sont trouées. Il n'y a plus un sou dans les bas des laines, plus d'argent, plus de beurre. Vous avez remarqué combien le vocabulaire est riche pour dire qu'on est pauvre. Aïe, 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 par ici, la rentrée. Rien ne va plus. Par ici, la monnaie, par où ? La monnette, les clignots de temps sont au rouge. Le CAC craque, l'euro dégringole. Les bourses dévissent, l'Europe fait une tête d'endettement et a des bourrelets de graisse. Et on nous dit que le bonheur est dans l'emprunt, qu'il faut acheter de la dette. Mais alors, j'y connais rien, mais si on emprunte de l'argent pour se désendetter, on va avoir encore plus de dettes. Par ici, la rentrée, c'est compliqué. En attendant, comme dirait l'autre, avec tout ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Eh bien, la voilà l'expression du jour. Ne pas être sorti de l'auberge, ça promet. Alors, d'où vient cette expression pour dire que les ennuis sont loin d'être finis ? De quelle auberge s'agit-il ? Alors, voici trois explications vraies de vraies, à peine inventées. À vous de retrouver la véritable origine. C'est la partie interactive de cette chronique. Alors, la première explication, en fait, il faut se tourner vers l'argot, et plus précisément, l'argot des voleurs, pour trouver l'origine de cette expression. Parce que le terme auberge, ça désigne la prison, ce lieu où le voleur trouve le gîte et le couvert, et quand il a été capturé et condamné. Autant dire qu'une fois qu'il est enfermé, non seulement il est loin d'avoir fini avec les ennuis de la captivité, mais il aura beaucoup de mal à s'en sortir par son propre chef. Voilà, l'argot prison. Deuxième explication. En fait, on doit ça à un fait divers du 19e siècle, une affaire criminelle qui s'est passée dans la désormais fameuse auberge de Perbeil, en Ardèche. En 1808, les époux Martin achètent une ferme et puis ils vont la transformer en auberge qui va avoir une grande réputation, on y mange bien. Et en 1831, ces deux époux, les époux Martin, sont arrêtés. On s'est rendu compte qu'ils tuaient des voyageurs durant la nuit, qu'ils les dépouillaient et faisaient disparaître leur corps. Leur cœur aussi. Et on a pris coutume de dire devant une entreprise vouée à l'échec qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, un fait divers. Troisième et dernière explication, en fait, c'est une expression occitane. On parle souvent d'ailleurs d'auberge espagnole. On devrait dire auberge occitane car le mot est un emprunt au terme provençal argueto qui désigne à l'origine, une grande maison simple, sans manière, dans laquelle on rentre de façon bon enfant, et dans laquelle tout le monde est invité à se loger, à manger, et on y mange en abondance, et on doit goûter jusqu'à n'en plus pouvoir, d'où la difficulté à en voir le bout et la fin du repas. Vous êtes sorti de l'auberge. Alors, à votre avis, l'argot. On est un peu tiré par les cheveux, la dernière. Vous voyez ça, mais méfiez-vous. Méfiez-vous, Stéphane. Oui, on se méfie toujours avec vous. Je peux noyer le poisson aussi. Donc, l'argot, la prison, le fait divers, ou alors le terme provençal. À votre avis. Vous avez une idée ? La réponse de Jérôme qu'on attend impatiemment. Oui, parce qu'il y avait trois propositions. L'auberge qui viendrait de l'argot, qui désigne la prison, le fait divers en Ardèche, ou alors ce terme provençal. Eh bien, la vraie, il n'y a qu'une seule explication, c'est l'argot. C'est l'auberge qui signifiait la prison. Ah, d'accord. Donc, ne pas être sorti de l'auberge, c'est une sortie bien. De prison. Bravo. La bise. Un séjour de 24 heures en prison. On n'est pas sorti de l'auberge. Aïe, 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 rien ne va plus, c'est la crise, dit-on, mais pas pour tout le monde. Les traders et autres spéculateurs précoces souffrent d'une maladie grave, une pathologie qui attaque l'appareil urogénital qui se caractérise par un durcissement et un jaunissement des testicules qu'on appelle les couilles en or. C'est sans doute pour ça qu'ils s'évertuent, mais je me permets, c'est la rentrée, ils s'évertuent à soutenir les bourses. À eux, la crise boursière, à nous, la crise de nerfs, ils banquent, nous banquons. À eux, les délocalisations, à nous, les décalcifications. D'un côté, la fortune, de l'autre, le pas de thune. Ils touchent des fonds, d'autres touchent le fond. D'un côté, ils suent en haut de l'échelle et de l'autre, ça sue sous les aisselles. D'un côté, ils ont l'argent dans le sang, riche comme Rhésus, et de l'autre, pauvre comme Job. Ici, l'orgie et là, zut, alors, le bonheur est RMI à plus tard. Alors, dans ce monde impitoyable, heureusement, qu'on soit employeur ou employé, à l'image de nos invités, il en est qui se battent et qui espèrent en un monde meilleur où l'homme ne tremble pas pour son existence. Et c'est en ce sens-là que le syndicalisme peut être indispensable car il fédère des hommes et des femmes qui construisent des idéaux, tordent des inégalités, rêvent des possibles qui, à défaut de les atteindre, servent au moins de lanterne. Et alors que dans les mois à venir, on peut souhaiter qu'on sorte enfin de l'auberge de la crise, et puis souhaitons qu'au nom du fisc, du pèse, on arrête enfin le massacre. Et moi, j'ai dit que ce sont les Anglais qui ont raison, parce que fric, en anglais, ça veut dire monstre humain. Et ça, c'est certain.
Merci beaucoup, Jérôme. Merci.